Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nouvelle petite session. Alors j'ai acheté plusieurs nouveaux tickets, 2 Astro, 2 Vegas, 2 Trésors Pyramide, le Trésor des Pyramides, 2 Super 10 ou 200 et un mot croisé à 10. Alors on va commencer tout de suite avec l'Astro Balance. Alors je ne sais pas pourquoi Balance, hein, je ne suis pas Balance, en fait moi je suis Cancer, mais j'ai demandé 2 Astro. Au bureau de tabac et sans préciser lesquels, donc c'est ce qu'on m'a donné. Je vais commencer avec le balance tout de suite. Donc, sympathique, respectueux, tête de taureau, poisson, élégant. Il faut que je fasse gaffe au cadrage parce qu'on m'a dit que j'avais pas bien cadré la dernière fois. Un capricorne. Balance et bon. Mais on n'a pas deux fois le même signe ou les mêmes qualités. Ça ne gagne pas. Et les bonus, il nous faut 2 symboles R. O, R, R. On a 2 R. On a 2 R, donc ce qui va... On a un gain de 2 euros, on récupère la somme, c'est pas magnifique, mais ça va, on prend. Le premier Astro Balance se rembourse avec 2 symboles R. Ok, très bien. Ensuite, le cancer, qui est donc mon signe. On est prévoyant, attachant. Un cancer. Un gémeau, ok. J'y vois pas très bien, désolé, c'est pour ça que je me rapproche un peu. Attachant, vierge, ok, capricorne et loyal. Bon, le premier jeu n'est pas gagnant et ensuite on a besoin de 2 symboles O. Donc on a un feu, un O et aigle. Le deuxième jeu est gagnant encore. Et avec un gain de 2 euros, donc les 2 astros se remboursent. Donc on avait mis 4 euros sur les astros, on a récupéré les 4 euros. Ah, je ne me rappelle pas, j'avais investi combien. 2 Vegas, ça fait 6. 6 et 4, 10. 20, 30, 40. Donc on a 40 d'investissement. Pour l'instant, on en a récupéré 4. Ok, on passe au Vegas. 2 Vegas. Ok, je vais peut-être dézoomer un peu. Voilà. Donc les mises sur la roulette. Le 31, le 17 et le 8. Et les numéros gagnants. Le 11, le 20, le 21 et le 16. Le craps, on a 4 plus 2, c'est pas bon. Le jackpot, non, non, toujours pas. Le bonus, 0. Et la banque. Le duel, la banque à 9 et moi j'ai 7, 3, 8. Premier Vegas est perdant. Deuxième Vegas. Alors mes mises sur la roulette. 20, 30 et 12. 20, 30 et 12. Je vérifie hein, que j'ai bien cadré. 20, 30 et 12 et les numéros gagnants. 21. 23, 31, 26, c'est pas bon. Ensuite à la banque, on a la banque à un 6, 4, 3, 4, 5, ouais, bon. Assez classique, on va dire. Le bonus est à 0. Le jackpot, on a pas deux identiques. Ah là, on a deux identiques. Donc il nous faut une grappe de raisin qu'on n'a pas. Ok, et le craps est à 4 plus 6, ça fait 10, c'est pas bon. Donc les 2 Vegas sont perdants. Ok, super 10 ou 200. Donc les numéros gagnants. On a 15, 17, 39, 13, 19, 14. Et on a pas mal qui commencent par hein, des dizaines. 13, 14, 15, 17, 19 et le 39. 13, 14, 15, 17, 19. 13, 14, 15, 17, 19 et le 39. 6, 45, 7, 20, 34, 46. C'est pas bon.
27, 22, 25, 48, 31, 37, non. 18, on a 17 et 19. Le 11, non. 43 et 8, non. 41, 36, 40, le 5, le 12. On a le 13 et le 38, on n'a pas. Le premier super 10 de 100, perdant. Le deuxième. Alors, les numéros gagnants. 41, 44. 37, 4, 48, 7. Donc 4, 7, 37, 41, 44, 48. 4, 7, 37, 41, 44, 48. 4, 7, 30 et, 37, 41, 44, 48. Bon, on n'a pas. Le 12, le 3, le 11, le 6, le 21 et le 16, on n'a pas. 42, 24, 19, 15, 39, 22. A priori, on n'a rien non plus. Je vérifie vite fait. Non, il n'y a pas. Avec les deux super 10 ou 200 perdants, les deux Vegas perdants. On avait bien commencé avec les deux astros gagnants, mais bon. Alors, Trésor des Pyramides, c'est la première fois que j'en achète, donc je ne connais pas très bien. Je ne connais pas du tout ce jeu. Grattez les pierres des pyramides. Si vous découvrez trois symboles identiques alignés sur une même ligne horizontale, vous remportez le gain associé. Ok, on peut cumuler les gains. Donc il faut trois mêmes symboles sur la même ligne. Ok, là on en a deux. Là on en a deux aussi. Là on en a deux toujours. Un, deux. Alors, je ne sais pas ce que ça représente ces symboles. C'est des trucs roseaux. Ok, bon. La première pyramide est perdante. La deuxième, ça, c'est perdant. Ici, c'est perdant. C'est perdant. Perdant. Aussi. Bon, d'accord. Et ensuite, saurez-vous déchiffrer le secret des hiéroglyphes. Ok, bonus. Il faut faire le mot 7. S-E-T-H. E-T. B et A. Bon, c'est pas bon. Grattez les deux zones de jeu. Si un ou plusieurs de vos symboles sont identiques à un ou plusieurs symboles gagnants, vous reportez le ou les montants associés. Donc, les symboles gagnants sont ici. Donc, on a un ver, une vipère, un mât, raisin, lampe et pyramide. Là, on a quoi ? Il n'y a rien qui me saute aux yeux, qui sont les mêmes en tout cas. Alors, vert, vipère, je vois pas. Ma, raisin, lampe, pyramide. Non. Bon, je les ferai vérifier, mais a priori, il n'y a rien non plus sur celui-ci. Le deuxième, je vais commencer par les symboles, tiens. Donc, les symboles gagnants sont fleur, aigle, papyrus, main, buste et chat. Fleur, aigle, papyrus. Désolé. Ok. Fleur, aigle, papyrus, main, buste et chat. Ma. Non, c'est l'autre côté qu'il y avait. J'avais le ma sur le premier, mais pas là. Alors, on va tout gratter et on va vérifier. Qu'est-ce qu'on a ? Papyrus, aigle, fleur. Papyrus, aigle, fleur. Non, on n'a pas. Et ensuite, chat, buste, main. Chat, buste, main. Je vois rien. Bon, dites-moi si jamais j'ai oublié un truc. Merci au fait à la précédente vidéo, j'ai oublié ton nom, mais je dirai à la prochaine fois. Il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire, j'avais pas vu un mot croisé gagnant. Ok, et là donc j'ai un mot croisé à 10. Donc on va commencer par toutes les lettres. Qu'est-ce qu'on a ?
On n'a pas le E. A, E, I. Et on n'a pas le O non plus. Donc pas de E et pas de O. Donc friable. Friable, on n'a pas. Clé, on n'a pas. J'ai dit E et O. Flèche, on n'a pas. Ébahi, on n'a pas. Hôtel. Turbo. Fringue. Ego. Chez. Espère. Luxe. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste qu'on pourrait avoir? Ira. I-R-A. Un mot. Le E, on n'a pas, donc on n'a pas O. Aïe. A-I-L. On n'a pas de L. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Brillant, on a dit qu'on n'a pas de L non plus. Donc, a priori, on n'a que Ira. Ok, ensuite, deuxième grille. Donc, pas de E, pas de O. Pas de E, pas de E. Pas de E, pas de O. Pouvons, monnaie, idéal, décor, nez. Pas de E, ça en enlève un paquet. Hein. Honoré, honor. Cire, use. Pas de O, lingot, nom. Ben, il ne reste plus rien. Ah si, il reste prix, mais bon, avec un prix et un su. Alors, P, R, I, X. Ok, il va nous faire la même chose avec un seul. Et un su, I. On n'a pas de N. Donc, on a pris et je pense qu'on n'a pas de deuxième mot. Je vérifie vite fait. A priori, non. Bon, troisième grille. Troisième grille. Donc, toujours pas de E et de O. Festif, ponction, augure, essai, sobre, poux, nageuse, gage, fromage, tir. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste ici? I, on n'a pas de C. Le ring, est-ce qu'on a ring? R, I, pas de N. Et pub, bon, on a la pub, mais ou le pub, je sais pas. Mais ça nous fait 15. Ah, le roi, est-ce qu'on a les rois? R, ah non, on n'a pas de O, j'ai oublié de le barrer celui-là, on n'a pas de O. Et le sac, S, A, et on n'a pas de C. Bon, ben, j'ai l'impression qu'on n'a pas. Ensuite, ces mots bonus. Bouc et joie. On n'a pas de O dans les deux cas, donc ça passe pas. Et là non plus. Bon, bah, a priori, le mot croisé est perdu. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la session est bien déficitaire, je vais y arriver. Avec seulement deux astros gagnants. Bon, gagnants. Je récupère en tout cas mes mises de 2 euros chacun. Et tout le reste, a priori, est perdant. Je vais quand même les faire vérifier, mais a priori, c'est perdant. 40 euros de mise pour 4 euros de récupérer, ça fait mal. Bon, on espère que ça ira mieux, que ça ira mieux demain. Si vous voulez que je gratte des jeux qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À bientôt.